D'un point de vue institutionnel, je pense qu'il y a deux évolutions de la concurrence qu'on peut attendre et qui même sont souhaitables. La première évolution, c'est la spécialisation des juridictions. On va assister à une meilleure spécialisation des juridictions de recours, la Cour d'appel de Paris, qui va se renforcer à la fois en analyse économique et en qualification juridique, et qui va centraliser les contentieux de la concurrence importants sur le plan national. Donc ça, c'est à mon avis la première évolution. La seconde, qui est liée à celle-ci, c'est qu'on va avoir un développement, notamment sous l'effet de la directive communautaire et de la directive dommage, de la mise en œuvre directe par les juridictions du droit de la concurrence. Autrement dit, les opérateurs eux-mêmes, sans passer par l'autorité de la concurrence, vont saisir les juridictions des contentieux qu'ils ont avec d'autres entreprises. Et là, on en revient à la volonté initiale des concepteurs de l'ordonnance de 1986, qui voyaient dans l'application juridictionnelle du droit de la concurrence un moteur de développement du nouveau modèle économique, de libéralisation de l'économie. Alors, cet rôle des juridictions va être renforcé maintenant par l'application de la directive communautaire, la directive dommage. Donc, on retrouvera, me semble-t-il, une application juridictionnelle du droit de la concurrence.